Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va essayer de passer de ça à ça. Mais non, mais non. Il y a vraiment beaucoup de boulot. On va faire les cheveux, la coloration. Je vais te montrer ma nouvelle coloration, enfin! J'ai fait une première vidéo à coloration avec mon ancienne couleur et on me demandait encore tous les jours, donc je pense que même si je fais cette vidéo, on va quand même me demander tous les jours. On va faire brow lamination, je sais pas comment ça s'appelle en français. On va faire nos ongles parce que... Voilà, on va commencer par la coloration parce que je dois me laver les cheveux, etc. Je suis pas sûre de pouvoir passer sous l'eau d'ici les prochaines 24 heures. En fait, c'est écrit nulle part, mais ça me paraît logique. T'essayes de faire un maximum attention et de pas mettre de l'eau sur ton visage, etc. Voilà le plan aujourd'hui. Petit disclaimer, parce qu'on est obligé maintenant sur YouTube. En plus, en 2020, les gens sont frustrés. Donc, t'es obligé de disclaimer ta disclamation, tu vois. Ça veut absolument rien dire. Je suis pas esthéticienne, je suis pas professionnelle de la beauté, tout ça, tout ça. J'ai juste regardé plein de vidéos, fait mes recherches moi-même de mon côté. Et je sais que je crains pas trop, tu vois. Je fais plein de tests bizarres sur moi. La foire sur toi parce que tu l'as vu grâce à ma vidéo, c'est pas de ma faute. Je ne t'ai pas forcé à aller acheter. Je ne t'ai pas forcé à le faire sur toi. Ceci étant dit, let's go, boubou! Voici ma nouvelle coloration. Toujours la même. Screen! Je vous en supplie. Screenez. Si ça t'intéresse, si tu veux la même couleur, screen. Oh, tous les jours! C'est juste marron, c'est pas une couleur de ouf. Donc voilà la couleur. Encore une fois, screen. Voilà. La même chose que la dernière fois, de toute façon, je suis exactement les instructions qu'il y a à l'intérieur. Un t-shirt que t'aimes pas trop. En fait, je le kiffe ce t-shirt, mais ils ont foiré l'imprimer en mettant des... Je sais pas pourquoi il y a ça. Bref. Je mets une serviette, parce que tu vois, on sait jamais. Moi, je lis plus les instructions parce que je fais ça tous les mois, donc... Évidemment... Tu mets les gants, important de mettre les gants, je vous dis la vérité parce que sinon les doigts ils puent, on a pas envie de puer. Prends cette bouteille, tu l'ouvres, tu vois c'est fermé, faut utiliser le petit bout là, tu le rentres dedans, tu le perces, magie, focus wesh. Et ensuite tu transfères ce produit là dans l'autre produit en plein. On rebouche la bouteille et on secoue jusqu'à bien mélanger les deux produits. Une fois que le produit est bien uniforme, on vient séparer les cheveux. C'est mieux d'avoir les cheveux sales quand on fait une coloration. Ça protège le cuir chevelu. Je sépare, je mets une pince. Je claque le petit bout en haut. Je recouvre tous mes cheveux, toute la longueur de mes cheveux en commençant par la racine avec le produit. Je commence par l'arrière et je termine par l'avant. Vous faites comme vous voulez ça. J'ai aucune idée de ce qui est mieux, si c'est devant, derrière. Moi, je fais toujours comme ça. Ça marche très bien. C'est mieux d'aller plus vite possible pour que la couleur soit le plus uniforme possible et pas plus clair ou plus foncé d'un côté ou de l'autre. Enfin, en bas ou en haut. Et voilà, je peux retirer mes petits gants. Une fois que c'est appliqué uniformément sur tous les cheveux, je vais se poser 30 minutes comme c'est indiqué sur la notice. Poser d'autres questions aussi sur ma dernière vidéo. Que je décolore avant, non. Ce que je montre, c'est ce que j'ai fait. Je fais pas de trucs ou sinon je l'aurais dit à l'oral. Je l'aurais même montré parce que sinon ça a pas d'intérêt de faire une vidéo sur YouTube. Voilà, de base j'ai les cheveux noirs, noirs, très noirs. Alors c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'aime bien me colorer les cheveux plus clairs parce que sinon j'ai l'air hyper... Déjà que j'ai l'air hautaine, méchante et tout, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Mais avec les cheveux noirs! C'est pour ça que j'aime bien avoir les cheveux un petit peu plus clairs, je trouve que ça adoucit mon visage, non, je fais pas de décoloration, je fais pas de rien avant en fait. Juste je laisse mes cheveux un peu gras et je mets ma coloration comme ça, bangs bangs. 30 minutes, je lave mes cheveux, j'utilise après shampoing qui donne dans la boîte. Voilà, on se retrouve dans 30 minutes, on va passer aux prochaines étapes. See you. J'ai pris ma douche, tout ça, je me suis lavé les cheveux. Je sèche très rarement mes cheveux au sèche-cheveux, donc je vais les laisser sécher à l'air libre. Pour ne pas qu'ils me dérangent, je vais les attacher. Regardez un milliard de vidéos sur ça. Je vais faire... En fait, je voulais faire lash lift et brow lamination, là, les sourcils bien tirés vers le haut. Toutes les vidéos que j'ai vues sur les cils, c'était des professionnels qui essayaient le kit pour voir si c'était possible de le faire à la maison. C'était possible, ça paraissait hyper compliqué, hyper minutieux. Ce que je ne suis pas, si tu me connais, moi je suis une brute, au contraire de minutieux. J'ai acheté ce kit, grave longtemps, je l'ai acheté en juillet. Après j'ai eu ma phase, je vais arrêter YouTube, donc j'ai jamais filmé la vidéo. Je voulais faire un lash lift et brow lamination, donc je l'ai depuis le mois de juillet, parce que je me suis dit pour l'été ça va être bien, C'est ça le plan à la base, sauf que j'ai jamais voulu la filmer. Mais, je pars en vacances la semaine prochaine, enfin je serai sûrement revenue quand tu vas voir cette vidéo. Et du coup je me suis dit ça peut être bien, parce que je compte pas trop me maquiller, tout ça, d'avoir les sourcils et les cils bien en flex. Donc dans les kits, voici ce qu'il y a, les ingrédients et tous les tools.
Les outils afin de réaliser un lash lift ou brow lamination. Les filles en général que j'ai vues utilisent ce même kit. C'est pour ça que j'avais acheté ce kit. J'ai regardé plein de vidéos parce que les instructions au dos, elles sont archi pas claires. J'ai peur, je vous dis la vérité, parce que j'ai les sourcils assez fins. Attends, je vais te rapprocher. Je suis vraiment moche là. C'est vraiment pas une configuration de ouf. Mais bref, voici le kit, je te le montre bien de près. Bah c'est parti, on va commencer. Je vais brosser mes sourcils. En plus j'ai des trous et j'ai les sourcils assez fins, donc j'espère vraiment que voilà, ça va le faire. On va commencer par appliquer la False Lashes Glue. Il faut utiliser ceci. Wesh, ça fait mal de ouf. Je vais utiliser la brosse instead parce que ça fait super mal. Oh. Regardez une fille du coup qui disait, elle fait petit peu par petit peu, enfin vraiment section par section ses sourcils. Parce que la colle... Eh ben, alcool. Vraiment. La colle, pas l'alcool. C'est mieux de faire petit à petit parce que sinon, le temps que t'arrives à la queue de ton sourcil, l'avant, il est déjà fixé et mal fixé du coup. Vraiment pas paniquer si c'est moche au début parce que j'ai vu des meufs... Enfin, c'était pas ouf et le résultat à la fin, il était quand même beau. De toute façon, même si c'est pas beau, je m'en fous parce qu'il fallait que je sois satisfaite et que j'essaye au moins une fois dans ma vie pour savoir ce que ça allait donner sur moi parce que je rêvais trop de faire ça. J'ai essayé avec du... brow gel, mais c'est pas ça. Hein. Pas l'impression d'avoir un changement de ouf pour l'instant. J'ai peut-être pas assez tiré vers le haut, non. Ils expliquent archi pas les doses non plus. Enfin, vraiment, les instructions, elles sont éclataxes dans le Banks. Celui-là, il est plus beau. Oh, ça fixe grave vite. Je suis choquée. Heureusement, j'ai déjà fait petit à petit parce que... Ensuite, une fois les sourcils bien brossés avec la colle, on va passer au perm. Franchement, je suis désolée, ça focus pas, c'est en train de me rendre ouf depuis tout à l'heure. Oh, ça pue de ouf. Et l'appliquer sur les sourcils. Faites vraiment attention à vos yeux. Surtout pas que ça tombe dans les yeux. Personne parle de quantité sur le kit, ça parle pas de quantité non plus. Donc écoute... On fait un petit peu wild game. Et ensuite, il faut venir mettre un papier film... Laila Bogos. C'est ridicule. Petit timer, start. Ça fait uniquement 8 minutes. Ça commence un petit peu à me piquer les yeux. Donc je vais retirer. Et là c'est rouge. Prendre leur petit tool. Et venir gratter le produit. Mon sourcil est vraiment rouge là. Ça commençait grave à me gratter. Ça fait pas 10 minutes mais je peux plus là. J'ai vu les autres meufs aussi, ça faisait bien rouge. Oh, ils sont devenus gravis. Ça ressemble au loup-garou de Buffy contre les vampires. Je suis morte. C'est le moment de donner, entre guillemets, la shape finale que tu veux donner à tes sourcils. Il y a un petit trou là qui me chagrine. J'ai l'impression que ça fonctionne pas de ouf sur moi là. Hein. Mes sourcils, ils sont en mode, non mais on n'a pas envie de changer de place. Comme mes cheveux quand ils ont décidé de faire des épis. Mmh, wesh, ils bougent grave, hop. Bah mes sourcils là, ils sont en train de faire la même chose. Colle, pas colle, ils ont déjà et nous, on reste en place. Ensuite, on va passer à la fixation. C'est le produit bleu pour un nouveau coton, bien sûr. Tac, j'en mets bien de partout. Et j'ai vu, la plupart des filles en mettaient pas mal, donc je vais en mettre pas mal aussi. Évitez d'en mettre trop sur la peau. Vraiment un maximum sur les poils. Ça me pique déjà. On prend un nouveau morceau de cellophane, bien sûr. La vérité, un loup-garou de Buffy contre les vampires. On se retrouve encore dans... 10 minutes. Et 9 minutes plus tard, franchement, encore une fois, j'ai pas laissé, ça brûle. T'as même mes brows. Ils ont l'air grave stylés là-dessus. Prends un nouveau parce qu'il y en a plusieurs dans la petite boîte. J'ai peur mes sourcils y partent. J'ai les sourcils fins en vrai. Ils sont parsemés. C'est pour ça que je voulais essayer ça. Pour avoir l'effet aussi gros sourcils façon. C'est la même sensation que ressent une poêle. Tu la grattes avec une spatule en fer. Je suis sûre qu'une poêle, elle ressent la même chose que moi en ce moment. Ma peau, elle est super irritée. Si c'est déconseillé de mettre de l'eau après ou pas, mais... J'ai l'impression de faire une réaction allergique façon, là. Là, mon sourcil, ça a tout enflé. Bon, je vais utiliser le cleanser. Bien nettoyé. Je retrempe jamais de le même côté dans la bouteille. Je commence à paniquer là parce que ça me gratte vraiment, ça me brûle vraiment. Je suis en train de faire un bail d'allergie. Et ce sourcil, il est beau, mais celui-là... Mais je suis toute rouge, wesh. Je vais prendre des pads, des cotton pads. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Et en plus, je commence vraiment à paniquer. Je vais en mettre beaucoup. Comme ça. Il n'y a aucune meuf, j'ai regardé au moins 20 vidéos, hein, sans mentir, il n'y a aucune meuf qui a dit que ça avait fait gonfler son arcade,
rougit comme ça. Ensuite, le dernier à utiliser, c'est le Nutrition. Une espèce de petite huile. Apparemment, il y a du collagène dedans. Pareil, elles mettent sur un petit coton-tige. Moi, je mets directement là-dessus. L'appliquer vigoureusement. Il va absolument retomber. Et celui-là, il est bien. Ça fait moins mal que tout à l'heure, ça me brûle plus. Je vois dans le miroir là que c'est gonflé et que là c'est très rouge. J'ai terminé avec les sourcils, je vais attendre 10-15 minutes et ensuite je vais me rincer à l'eau froide, je pense. J'ai même envie de rincer tout de suite. Je vais faire mes ongles. Pour les ongles, la dernière fois que j'avais fait une vidéo comme ça, genre 0 tout 100, j'étais partie faire mes ongles dans un institut. Sauf que depuis Corona, tout a basculé, tout a changé. Depuis mars avril, du coup, du premier confinement, j'ai découvert ceci, les kits d'ongles. Franchement, ils sont trop beaux, là c'est des nouveaux que j'ai achetés. Retour, j'ai rincé mon visage à l'eau fraîche, j'ai vu que ça avait dégonflé et je me sens beaucoup mieux. Mais en tout cas, le résultat sur ce sourcil, j'aime bien. Celui-là, il est inexistant. Enfin, c'est inexistant. J'ai fait mes petits ongles que je t'ai montré juste avant. Je sais même pas pourquoi je dis ça parce que le montage... Moi, j'ai fait plein de trucs entre temps, mais toi, t'as le montage. J'ai mis, bien sûr, ma crème hydratante, montrer comment avoir l'air d'avoir fait un full glam alors que c'était vraiment vite fait. Mon fond de teint préféré. Il est plus foncé que mon visage, mais ça match mon corps. J'espère vraiment que je vais pas faire une réaction allergique de ouf. Le résultat, déjà, il se voit vite fait sur moi. Des meufs, vraiment, c'était spectaculaire. Je sais pas si j'ai foiré un truc, mais il me semble pas. J'ai bien suivi les étapes et les meilleurs conseils de chacune. Je suis dégue, je voulais grave faire les cils aussi. Mais bon. J'ai pas envie de prendre de risques. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec le Anastasia Beverly Hills. Je vais pas les faire de ouf. Je vais déjà les brosser. C'est juste là, j'ai pas trop de poils. Donc du coup, mais je sens que c'est quand même un peu enflé. Surtout là, là. La première fois que je fais mes sourcils comme ça, du coup, je sais pas trop comment les maquiller. Je vais juste remplir un petit peu l'intérieur. Là où j'ai des trous, quoi. Je vais filmer une grosse vidéo demain. Donc j'espère vraiment ne pas faire une réaction allergique dans la nuit. S'il vous plaît. Ça fait grave un gros sourcil, hein, non? Sachant que le résultat, si t'aimes pas et tout, ça dure au maximum 4 semaines. Au final, c'est vraiment un défrisage, hein, donc c'est la première fois que je le fais. Défrisage en général, déjà, je conseille pas, surtout pour les cheveux. Les sourcils, en tout cas, si tu comptes faire ça, je dirais pas plus d'une fois tous les 2 mois au moins. Les sourcils, c'est vraiment fin. Pour ça, dès que j'ai senti que ça me brûlait un peu, j'ai préféré retirer tout de suite, même si c'était 10 à 12 minutes et j'ai laissé 8 à 9 minutes les 2 fois. Je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, c'est qu'une minute en moins. Je pense pas que ça fasse un changement de ouf. Mais finalement, le sourcil, il est plus beau que celui-là. J'ai un sourcil plus gros que l'autre. Et ça va me stresser. J'ai séché un petit peu mes cheveux. J'ai limite envie de laisser comme ça parce que je trouve c'est cute. Retour en mode cactus. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Et en fait, toute la partie make-up, elle a sauté. Enfin, elle a disparu de mon ordi. Tout bien filmé et tout. Donc, je suis grave deg. Je parlais sur Insta, mais vous m'avez quand même dit de la poster. Donc, voilà. Je pense que je reposterai le maquillage. C'est un truc très rapide, très facile. Je reposterai ça sur Instagram. Donc, follow me on Instagram. Voilà, bisous, je vous retourne à la vidéo. C'est drôle après. Donc reste là. Bisous. Et sacrilège, vous savez, j'ai oublié quoi? Ma baby! On va passer au petit tuto que... Au tuto MDR. Il y a encore des gens qui disent tuto maintenant. Je vais faire un tuto make-up. Non. Je crois que ça fait grave longtemps que j'ai pas entendu dire ça ni dit ça. Voilà ma couleur de cheveux au final. C'est toujours marron foncé. Mais il y a des petits reflets quand je suis au soleil et tout qui sont assez cute. Comment je fais le devant, ma frange, tu vois. En fait, j'aime tellement pas me coiffer. Genre, je déteste. Moi, je me lave les cheveux. Je brosse vite fait quand c'est mouillé. Et après, je laisse sécher à l'air libre et je fais rien. Je déteste. Et quand vraiment ça ressemble à rien, j'essaye d'arranger, tu vois, avec un petit lisseur. Vous le connaissez déjà, lui, je l'ai déjà montré. Je crois dans une vidéo qui date de 2015, un truc comme ça. L'excès. Non, vraiment, je l'ai depuis. Hein. Ma maman qui me l'a acheté à Carrefour il y a très longtemps. Je crois que j'étais au lycée quand j'ai eu ça. C'était il y a très longtemps, croyez-moi. J'ai même plus envie de parler de mon âge, des trucs comme ça. Au bout d'un moment, tu vois, faut arrêter de parler de ce genre de choses. Voilà, faut plus donner ces détails-là quand ça dépasse une certaine limite. Donc, ce que je fais... Oui, donc je disais, donc j'ai grave la flemme, tout ça. Mais des fois, en photo, ça sort grave bien. Enfin, même en vrai, d'ailleurs, ça sort grave bien. Et en fait, ce que je fais, c'est que juste je boucle.
En plus, là, je viens de faire ma coloration. En général, quand tu viens de faire ta coloration, tes cheveux sont grave soyeux et tout et tout. Donc, c'est encore mieux. Voilà, ça donne un truc comme ça, genre Farrah Fawcett. On se retrouve sur une différente caméra. Ça a coupé, j'ai pas compris. Celle-ci, la luminosité, j'aime pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Voilà, en gros, comme je t'ai montré, j'ai bouclé, j'ai déjà fait ce côté, et ensuite je relisse, et voilà, c'est tout. Je boucle à fond, du coup, une première fois, comme je t'ai montré. Et ensuite, je lisse, mais vraiment vite fait, genre sans trop appuyer, bam, et voilà, j'atterris avec un truc comme ça. En général, comme j'ai super la flemme de me coiffer, je fais une couette haute avec ma frange de devant, comme ça, pendre. Je m'attache les cheveux avec des gros chouchous, comme ça. Tac, vraiment à l'arrache, hein. C'est tout loup, c'est tout. Ma coiffure, c'est vraiment de la poudre. C'est de la poudre de perlimpinpin. Genre, t'es coiffée alors que ça m'a pris 10 secondes. J'ai relissé, après j'ajuste un petit peu les bords, tout ça. On est passé de ressembler à un cactus à un espèce de full glam vraiment vite fait. Le make-up était vite fait, très simple. Et la coiffure, pareil, genre vraiment vite fait, tout ça. Je pense que je vais les laisser détacher aujourd'hui parce que déjà, ils ont pas fini de sécher. Je voulais te montrer vraiment la frange, pas la coupe en question. Tu reconnais là, Instagram? Quelle arnaque! Elle fait ça en balle et tout, elle fait des trucs vite fait et nous on croit que... sort de chez Myriam K alors que rien à voir. Voilà, petits ongles pas cher, blur lamination à la maison pas cher. Finalement comme ça coiffé, ça me choque moins et c'est pas non plus quelque chose que je referais je pense. Je trouve que ça fait pas comme les arméniennes d'Instagram si tu vois ce que je veux dire. C'est pas la même chose tu vois. C'est pas pour moi. Fait les cheveux, moins de 10 balles. Les ongles, moins de 10 balles. Les sourcils, j'allais dire moins de 10 balles, mais non. Kit, c'était 20 balles sur Amazon. Il y a 4 utilisations, donc en fait, c'est 5 balles les sourcils. Je le gagne ou pas? Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai fait une vidéo comme ça, mais c'était pas tout à la maison. Je suis allée faire mes ongles. Alors que là, c'est vraiment accessible. C'est vraiment un truc que tu peux faire chez toi. De A à Z. Et les cheveux, j'avais fait quelque chose de différent, je crois. Je crois que j'avais fait des mèches. Je sais plus ce que j'avais fait. J'avais fait un massacre. J'étais allée au coiffeur aussi. Mais là, y a pas de coiffeur, là. Ils sont fermés, les coiffeurs. Corona, putain. Corona, il nous a eu. Corona. On est 3 jours plus tard. Je voulais te montrer une petite update de mes sourcils. Voilà. Et en vrai, ils sont très bien. J'ai un petit peu recoupé ce côté-là au ciseau. Tout ce qui était un peu trop long. Au final, ça va, tu vois. Je vais te montrer une fois que je l'ai fait au crayon. Et celui-là, il me gratte encore un petit peu. Mais voilà, j'ai recoupé au ciseau. Et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, petite update sur mes sourcils 3 jours plus tard. Voilà, je te montre tout de suite au crayon. Donc voilà ce que ça donne. Tu vois, ça n'a plus rien à voir avec le premier jour. Le premier jour, ils étaient vraiment gênants. Voilà, du coup, le résultat maquillé. Je trouve toujours que celui-ci, il est plus beau individuellement. Mais sur mon visage, celui-ci fait mieux. Je sais, c'est chelou. Et ils vont pas ensemble. Et ça me stresse. Donc je pense que je ne vais plus jamais faire ça. C'est pas moche. Et en plus, je voulais trop tester. Ça a satisfait ma curiosité. Donc c'est le principal. Voilà. Donc voilà mes petits sourcils vus de près. Banks. Et voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je le mets juste ici. N'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo. Je la mets juste par là. Je sais pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Fait ça, on dirait Thibaut InShape. Hé hey, les gens, Thibaut InShape, il date, ouais. Ça date, j'ai pas regardé. Oh, je l'ai déjà dit sur Instagram. J'espère que c'est...